Clélie Avit, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. C'est la première fois qu'on vous rencontre parce que c'est vos premiers pas dans l'édition avec un premier roman qui s'appelle « Je suis là ». On est bien d'accord ? Oui. Aux éditions Lattès. Comment êtes-vous parvenue à publier ? Vous pouvez nous raconter votre histoire ? Mon histoire, elle commence il y a à peu près 2 ans et demi, quand j'ai écrit un roman fantastique chez moi, comme tout jeune auteur qui après a cherché à le faire publier et qui s'est retrouvé face à de nombreux refus. Et j'avais quand même envie de continuer à écrire et je me suis renseignée un peu sur les appels à texte. Ouais. Et je suis tombée sur celui de la Fondation Bouygues Télécom qui s'adresse aux jeunes auteurs et qui leur fixe une citation en inspiration, un thème à respecter. Et j'ai écrit « Je suis là » spécifiquement pour ce concours. Donc je me suis laissée inspirer par une citation, c'était celle de Marcel Pagnol pour le prix 2015. Et « Je suis là » est née de cette expérience-là. La citation, l'idée principale, c'était de nous dire que quelqu'un pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. Exactement, voilà. Tout ce que tout le monde pensait impossible, voilà, Cette personne-là a réussi à le faire. Super de nous la rappeler. Aujourd'hui, vous avez été l'heureuse lauréate de ce prix. Comment vous avez vécu le moment où on vous a dit, c'est vous l'élu? C'est un grand moment de magie, une immense satisfaction. On se dit qu'enfin, on va pouvoir publier un roman. Parce que j'écris pas pour rester dans un placard. J'avais vraiment envie que mes romans soient publiés. Et donc celui-ci, ça m'a donné un tremplin fantastique. Donc une joie immense. Quand l'interview qu'on est en train de faire ensemble sera diffusée, il sera passé un bon mois que le livre sera en librairie. Mais avant même sa sortie en librairie, ce livre a été vendu dans 17 pays. C'est juste une folie. C'est une immense folie pour ça. Je remercie énormément le travail des éditions Lattès parce qu'ils y sont pour quelque chose. Hein. De moi-même, j'aurais pas réussi. J'ai été très sensible à tous les commentaires qu'ont fait justement les éditeurs étrangers par rapport à mon travail. Et ce qui les a touchés tous, c'est les émotions qui se dégagent de mon roman. Et du coup, je suis très heureuse d'avoir pu traduire tout ce que moi, je ressens dans mon écriture. Alors ce roman, on va en parler du contenu. Il s'agit de deux personnages principaux. On va parler d'une jeune femme. Pour moi, elle est trentenaire, vous me dites si je me trompe. C'est ça. Il lui arrive une sacrée mésaventure parce qu'au début du roman, elle est dans le coma. Autour d'elle, il y a des amis, de la famille. Et puis, elle va faire la rencontre d'un jeune homme aussi, je pense un trentenaire dans les mêmes âges, qui va rentrer dans sa chambre. Les lecteurs découvriront comment, pourquoi il va rentrer dans sa chambre, et qui à un moment donné, par rapport à ce que lui, il vit, il va se coucher à côté d'elle. C'est ça, oui. Voilà. Oui, donc... Et là, les deux personnages se rencontrent. Comment sont nés ces personnages dans votre tête ? Le personnage d'Elsa, il est un petit peu inspiré de moi. En fait, les deux sont un peu inspirés de moi, mais juste dans un détail pour chacun. Elsa, c'est sa passion pour la montagne, en fait, qui me ressemble. Pour le reste, tout sort de mon imagination, mais c'est vrai que je suis une grande passionnée de montagne. Ouais. Et pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus évident à traduire en termes de passion sportive et aussi puisqu'elle tombe dans le coma suite à un accident de montagne. Donc ça, en termes de vécu technique et matériel, c'était plus facile pour moi. D'accord. Après, pour Thibaut, finalement, je pensais pas au début, mais à force de reprendre mon livre et de m'y rattacher, j'ai retrouvé certaines façons que j'ai de traiter les émotions dans ce personnage-là.